Des spores. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Prie pour que je m'en sorte, alors. Bon, un masque. Faut que je trouve un masque. Tue-toi si tu veux, mais bousille pas le masque. Connard. Il a l'air bien. Bon, j'arrive, Lev.
Merde. Tiens, c'est cadeau. Attends. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. Ça va aller. T'as vu par où descendre ? Non. Abby, t'en penses quoi ? Lève, viens descendre ça. J'arrive. Je vais aller voir en bas. Fais attention.
Putain de merde. Ce truc était en train de grossir dans le mur. Jusqu'à ce qu'il me saute dessus. Je déteste les démons. Et moi donc. À ton avis, combien d'étages on doit encore descendre? Je sais pas, il est grand cet immeuble. Merci, la fête.
contente qu'on ait pris ce raccourci. Même si on est coincé avec tous ces démons. C'était de l'humour. Ah. On va où, d'après toi ? On devrait essayer de descendre. Est-ce que tout va bien ? Oui.
lève, je le déteste, cet immeuble. Continue à descendre, on est presque au niveau de la rue. Je suis paumée, là. Je parie qu'on peut sortir par là. Les gens. C'est pas le moment de parler de ça. Ok. Toi, t'as déjà torturé quelqu'un ? Lève. Occupe-toi plutôt de trouver une issue.
Putain de merde. Les démons sont trop nombreux. Attends-toi de chercher une sortie. Thank you.
tu peux retirer ton masque. Merci. L'hôpital. C'est juste là. On a réussi. Ouais, on a réussi. Tu vois l'élévateur juste là? Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool, Lev. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ara s'inquiète. T'es cool comme frère. Je peux te poser une question? Vas-y. Tu regrettes d'être rasé la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Mais... J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle? C'est notre mère. C'est notre devoir. Tu vas m'attendre ici. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils voudraient te faire la peau. Moi, Yako Backgammon, que je suis une menace pour eux. Le Backgammon? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. Y'a quelqu'un dans l'eau! Merci. Je suis une wolf! Tirez pas! C'est moi! Abby! Abby? C'est Abby, merde! Elle est seule? Ouvre le portail!
Salut les gars. La vache, t'es venu à la nage ? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora ? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer une nouvelle recrue ? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. Il a pas été ici ? S'il a de la chance, l'escar le trouve. Salut les gars. Ah, Abby, t'es au courant pour Danny ? J'ai entendu des rumeurs. Vous les répétez pas, j'espère ? Non, pas du tout. Bien. Continuez comme ça. Qu'est-ce qui te prend ? Tu parlais de ça ? T'es dingue ? Salut Grizzly. Ça me fait venir jusqu'ici aussi. T'es un bon chien. Bonjour, Abby. Salut. Vous avez pas encore fini ? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans ? Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance. Salut ! Abby. Ils t'ont transféré toi aussi ? Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont ? Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Nora ! Eh ben, je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium ? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi ? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... Ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord ? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel ? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé ? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé ? Non. Nora ! Vous allez où tous les deux ? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant ? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci.
C'est bon. Et toi, ça va? Comme d'hab. Anis fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi? Une seconde. Y a personne. Bon. Alors, Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé? Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Que ta vie soit longue. Ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Ouais. Ok, chirurgie, traumato, soins intensifs. C'est parti. Ils savaient pas à quoi ils étaient confrontés. Je m'attendais à pire. Bon, la traumato ou la chirurgie?
Les urgences. Le service traumato doit être par là. J'ai aimé être dans le coin quand tout a commencé. Ok, là, ça fait beaucoup. Allez, trouve quelque chose. Nada. Il y a forcément quelque chose dans le coin. Bordel, dans quoi j'ai atterri?
Chirurgie. Nickel. Je t'ai entendu. Rétablir le courant. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Putain. Lève aurait pas été de trop ici. Ou Manny. Ouais, Manny. Si seulement Manny était là.